Bonsoir mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que tout va bien. Voilà, c'est le mois de juillet mes chers amis. Et c'est quoi? L'info le plus important, c'est le bleu. C'est le bleu, ils ont gagné. Vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95 FM, radio ici maintenant. David Abassi est avec vous et comme vous savez, vous avez la parole. Dès maintenant, vous pouvez commencer à nous appeler pour vous exprimer. Et si vous avez des questions, bien sûr, mais je sais que vous êtes très nombreux de vouloir vous exprimer à ce jour de la victoire de Bleu. Partout, on parle de ça. Vous êtes pour ou contre? Football, ça vous intéresse ou non? L'économie de football est importante ou non? C'est quoi ce jeu que tout le monde aime? Tout le monde l'aime, ils sont joyeux. Même les gens qui n'aimaient pas le football, l'omission de cet sport, surtout après la victoire, a touché une grande population. Même j'ai vu tout à l'heure sur les Champs-Élysées, au moment que je voulais quitter mon bureau, plusieurs centaines de gens qui je voyais en face de moi, c'était des touristes, mais avec le drapeau français, c'est-à-dire l'ambiance, il était international, mes chers amis. Alors la France va toucher 34 millions d'euros concernant la victoire de Bleu en Russie. 34 millions va être partagé parmi les joueurs et une partie va rester dans la fédération de football. L'argent est très peu par rapport à l'échange d'argent dans le club de football depuis toujours. Mais quand même, c'est intéressant. Alors, la joie de peuple français, après cette victoire, c'était énorme et historique. Comment vous voyez le football? Moi, je le vends en appartement à 3 étages. Et je vends trilingue avec 3 couches, on peut dire, 3 couches. Et ronde avec 3 couleurs. Et quand je dis 3 couleurs, je crois que l'immeuble à 3 étages, ça va mieux. Vous savez, le premier étage de football, c'est l'organisation et l'argent. C'est-à-dire, juste en haut. Les gens qui organisent et financent et gèrent le finance de football. Et deuxième étage, deuxième partie, deuxième couleur, deuxième ronde, c'est quoi? C'est les joueurs. Les joueurs, c'est deuxième partie de l'histoire et de l'appartement de football. Ces gens-là aussi, dans le finance, ils touchent des sommes assez intéressantes, assez importantes. La joie est aussi pour eux.
il gagne ou il perd, de toute façon, dans le petit club ou grand club, il y a beaucoup d'échanges d'argent, comme vous le savez. Échanges d'argent, beaucoup. Comme PSG, par exemple, depuis qu'il a été acheté par l'Emirat, vous voyez, une grande publicité qu'ils font depuis, c'est sur la ligne aérienne de leur pays, Emirat. Sur tous les maillots, par exemple, vous voyez le SIG et surtout la compagnie aérienne d'Emirat a gagné énormément d'argent, a augmenté dans la bourse depuis que PSG est entré dans l'histoire d'Emirats arabes. C'est-à-dire que l'argent est important dans la première couche, dans le premier étage et dans le premier rang de cette histoire. Après, bien sûr, les joueurs aussi, toujours, ils gagnent bien leur vie. Tant mieux, hein, tant mieux, ils gagnent bien leur vie. Et troisième couche, c'est quoi? C'est moi et c'est vous. C'est le peuple. Émotion. La joie des gens. C'est le peuple. C'est le peuple qui dépense et qui finance. Le finance officielle, ça vient de couches sociales, de peuple. Ils ne gagnent pas de l'argent, mais ils dépensent de l'argent. Ils ne gagnent pas de l'argent, mais c'est des supporters qui ramènent la publicité également et l'argent pour le club, pour le métier de football. Et ces gens-là sont de plusieurs millions de personnes. Ils ne gagnent rien, mais c'est ces gens-là qui crient, qui sont pleins de joie quand ils ont une victoire. Quand ils ont l'échec, ils sont fâchés. Ils sont fâchés, c'est le foule. On dit le foule, le peuple. Troisième étage, c'est-à-dire c'était premier étage, c'était organisation et financement. Deuxième, c'est le joueur qui est également gagne de l'argent. Mais troisième, c'est troisième partie de couche. De football, c'est le peuple, le foule. Ils dépensent énormément d'argent, c'est un plaisir, comme tous les plaisirs. Mais le plaisir de football, il est énorme par rapport à tous les plaisirs. La joie est plus énorme, plus grande par rapport à d'autres joies. Imaginez-vous, depuis hier à ce jour, plusieurs millions de personnes partout dans la roue, dans les roues de la France, même ailleurs, plein, plein, plein de joie. Et cette joie, le peuple français, je crois qu'il avait besoin de ça. Après toutes ces histoires tristes, pauvreté, discrimination, chômage, morale qui n'était pas bien, cette victoire peut-être a changé l'ambiance du pays. Il va rester ou non? Et si vous êtes d'accord ou non, que pensez-vous à ce sujet? Vous avez la parole. En composant le 08 92 23 95 20. David Abassi est avec vous, mes chers amis, ce lundi-là. Et 08 92 23 95 20, nous allons recevoir vos interventions. Maintenant, ici et maintenant, 95.fm. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici-et-maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20.